Forcément une question qui peut sembler logique ou qu'on a souvent tendance à se poser parce que généralement quand on se dit qu'on va commencer sur YouTube, on se dit forcément qu'il va falloir investir et donc acheter du matériel. Mais cela semble bête. Mais au fond, pour bien se lancer, c'est toujours intéressant de pouvoir se faire la main sur du matériel et donc de tester un peu à gauche et à droite ce qui semble être le plus intéressant. Et si ce n'est pas le cas, au moins ce qui semble être le plus important ou le plus justement apte à ce que l'on souhaite faire de son matériel. Souvent, on a tendance à se dire que l'achat est le meilleur investissement possible. Personnellement, j'ai énormément tâtonné avant de choisir précisément quel serait mon matériel de tournage. J'ai testé des enregistreurs, des micro-cravates, des logiciels, bref, j'ai testé tout ce qui était nécessaire selon moi avant de savoir dans quoi je devais investir ou ce que je devais demander pour mon anniversaire. Oui, j'ai aussi fait ça, je dois l'admettre. Au fond, l'idée, c'était pas simplement que de tester. C'était aussi d'avoir des conseils. Des conseils des propriétaires. Je ne remercierai jamais assez les personnes qui ont eu la confiance et la générosité, même pour certains, de me prêter et de me confier leur matériel. Le temps que j'essaye des choses avec, que je teste des formats et que je prenne pleinement connaissance de leurs possibilités avant de me lancer dans l'achat, car cela m'a permis de bien choisir. Car on a souvent tendance à imaginer que la première idée est toujours la bonne. Mais pas dans ce genre d'investissement. Je ne pense pas que ce soit la meilleure idée possible, puisque souvent dans ce genre de situation, on a souvent tendance à prendre peur et à vouloir avoir le mieux, mais également, voire souvent, le moins cher. Chose pas forcément vraie et équilibrée au bout du compte. Je pense que parfois on peut vraiment réussir à combiner les deux. Et c'est là que l'on trouve un mélange qui peut faire son effet. En soi, le seul conseil que je peux te donner, c'est simplement de, si tu as les moyens bien sûr, peut-être soit louer du matériel pendant quelques temps avant de l'acheter, soit de directement demander à des amis s'ils peuvent te fournir au moins un appareil photo. Et au pire, je pense que si tu cherches bien, tu trouveras deux ou trois bons samaritains qui accepteront de te filer un coup de main de ce côté-là. YouTube est un endroit où tout le monde cherche à expérimenter d'une manière ou d'une autre, et donc finalement, où tout le monde finit par y trouver son compte en termes de création, et surtout de matériel. Et c'est peut-être cela la beauté de ce petit jeu sur Internet, c'est que si l'on cherche à être le meilleur, il y aura forcément quelqu'un qui sera prêt à nous filer un coup de main, au moins pour bien commencer, si on croise les doigts. Et tout simplement, pour la prochaine vidéo, je vais vous proposer mon petit starter pack du YouTubeur. Ça vous donnera peut-être quelques idées pour des anniversaires à venir, ou qui sait même carrément Noël.